Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce dernier week-end de mai. Et pour bien terminer celui-ci, le grand barbu et moi-même allons vous parler d'un petit Transformers, voilà, que nous avons reçu il y a quelques semaines. Un petit Transformers Legends en l'hommage d'un des Handmasters, et plus précisément de l'un des inventeurs les plus célèbres dans le camp Autobots. Voilà, donc de qui s'agit-il? Tout simplement du LG39 Brainstorm. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu qui va vous en parler un petit peu plus. Et moi, je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, tchuss les amis, bisous. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous le disiez, mon mini, moi, je vais vous parler de notre ami Brainstorm, issu de la gamme Legends, voilà, de chez Takara. Donc voilà notre petit Brainstorm LG39, dont voici tout de suite le packaging. Et comme d'habitude, hein, Takara ne déroge pas à la règle, nous avons toujours droit à un superbe packaging, même pour un simple Deluxe ou un Legend. Voilà, l'effort est toujours poussé, donc voilà des petites boîtes qu'on aime bien conserver. Sur le côté, nous avons le droit à, voilà, à notre ami donc Brainstorm, et puis donc aux petits accessoires qui se trouvent dans la boîte, hein, un petit véhicule Titan Master également, enfin Titan Return qui est fourni avec. Donc au dos, nous retrouvons notre ami Brainstorm sous sa forme alternative. Voilà, donc on voit tout de suite que les couleurs sont différentes du modèle Hasbro. Takara se veut plus fidèle, on va dire, au cartoon accurate, donc à savoir le cartoon Handmaster, alors que Hasbro va se pencher quant à lui plus sur le toy accurate, hein, la ressemblance par rapport au jouet géant. Voilà donc, et puis on retrouve également notre petit Brainstorm, donc sous sa forme botte, avec voilà le petit véhicule qui est fourni avec et qui n'est pas du côté de Hasbro. Donc voilà en ce qui concerne le packaging, les petites précautions d'emploi, le petit Pac-Man Triste juste sous le dessous. Nous avons le droit également donc à comme toujours, une très chouette notice, donc avec les specs qui sont indiqués directement sur la première de couve. Voilà, donc on aperçoit un petit peu ses skills, hein, assez bien skillés. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre au dos? Un autre artwork complet du bot, on va dire dans un format un petit peu plus grand, donc très agréable pour l'œil. Et puis à l'intérieur, donc en plus d'avoir la notice d'utilisation, nous avons également donc un mini, voilà, le traditionnel petit manga qui tient sur deux pages. Voilà, où on voit cette petite chose. Alors, je sais pas si c'est une souris ou je ne sais pas trop, mais on voit que cette petite chose là s'imagine aux commandes de Brainstorm. Voilà, il est tout content. Donc le truc assez barré, assez kawaii, hein, bien sympathique. Donc pas de carte de spec, puisque celle-ci, comme je vous disais, est directement incluse sur la première de couve. Voilà. Et puis donc tout de suite, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer dès à présent donc à notre ami Brainstorm. Que voici, que voilà. Alors, petite mise au point, je vais essayer de faire un zoom également sur l'image. Donc, petite mise au point de notre ami Brainstorm, et voilà du petit véhicule qui est fourni avec. Donc, on va s'attarder tout de suite sur le véhicule dans un premier temps. Alors là, donc nous l'avons sous sa configuration, on va dire moto, pod, voilà quelque chose de plus ou moins. Enfin, entre guillemets ressemblant, et donc on a la possibilité via les deux petits ergots, voilà, de fixer notre petit Handmaster. Alors que je mette ça correctement, notre petit Handmaster. Alors vais-je y arriver? Alors je vais pas regarder la caméra, sinon je vais être perturbé. Voilà. Donc notre ami Kana, Monsieur Bis Kana, voilà donc Kana aux commandes du petit pod. Voilà, donc sachant qu'il est possible également de le transformer. Alors on a une autre, voilà, on a une autre configuration, puisque voilà, il s'inspire à la base du mold d'Hasbro. Alors c'était Brawn si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, en transformant
ce dernier. Comme ceci, voilà, nous avons à présent une espèce de petite Jeep sur chenille. Donc là encore, nous pouvons y fixer notre ami Cana. Et voilà. Et dernière petite configuration. Donc il est possible également. Hop. Donc en opérant ainsi, voilà, de transformer le pod en une arme supplémentaire, hein, puisqu'on a voilà, on a un ergot ici 5 mm, une poignée 5 mm, donc qui permet de pouvoir se fixer sur le bot et voilà, de le pourvoir d'une arme supplémentaire. Voilà. On peut s'attarder également donc sur le petit personnage Kana que voici. Alors donc on a du bicolore, hein, mais contrairement à ce gros, vous voyez, Takara prend le soin de voilà de peinturlurer, de décorer du mieux possible les visages. Donc quand même, on a quand même donc du coup une finition extrêmement soignée par rapport à une figurine Hasbro. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Takara, hein, le savoir-faire. Et puis donc le visage de notre ami Brainstorm, et on remarque tout de suite donc que contrairement au Brainstorm G1 ou à la version Hasbro, alors ça je suis pas trop sûr parce que j'ai pas vu de revue sur le Hasbro, mais là on n'a pas de Battle Mask, hein, on a la bouche carrément à jour. Voilà, donc on a le visage intégral de Brainstorm. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà un petit peu. Et puis donc, l'essentiel, donc notre ami Brainstorm. Donc comme beaucoup vous l'aurez reconnu, il s'agit tout simplement d'un repaint et d'un léger remold de notre ami Blur. Voilà, bon, qui est quand même néanmoins bien fichu. Alors moi j'aurais préféré avoir un nez beaucoup plus long et profilé comme le jouet géant et le cartoon. J'aurais aimé avoir également donc la possibilité de pouvoir déclipser voilà ces deux petites pièces qui normalement font office d'armes. Donc c'est pas possible, hein, c'est moulé voilà, c'est en une seule pièce. Mais voilà un petit peu donc notre ami Brainstorm qui est quand même assez bien fichu. Hein, de chouette finition, de chouette couleur, donc vraiment très très fidèle au cartoon Handmaster. Donc ça on apprécie. Hein. Pour ceux qui aiment le show accurate ou le cartoon accurate, là on est quand même bien servi. Donc de chouettes détails, chouette finition avec voilà avec les symboles Autobots de chaque côté. Donc vraiment très très sympathique. Et comme pour tout véhicule Titans Return, voilà, il est possible donc de pouvoir fixer notre ami Kana à l'intérieur du cockpit, de façon à prendre les commandes de notre ami Brainstorm. Voilà. Petite chose aussi, donc, qu'il est possible de faire. Alors, je vais séparer ça, donc tout comme Blur d'ailleurs, c'est qu'il est possible de décrocher donc le cockpit, voilà, pour en faire donc un mini véhicule. Alors, vais-je y arriver? Oui. Voilà. On a également donc la possibilité de pouvoir faire un petit véhicule supplémentaire pour notre ami Kana. Voilà, tout comme notre ami Brainstorm pouvait le faire également. Voilà, donc petite comparaison à présent entre les deux moules, donc Blur et Brainstorm, excusez-moi. Un petit peu en termes de différence. Elles sont quand même assez significatives, hein, mais bon, les deux molles, malheureusement, on les reconnaît quand même au premier coup d'œil. Hein, les coques sont identiques, la forme générale est la même. Mais bon, ceci dit, voilà, j'aime bien le molle à l'origine, donc voilà, je trouve quand même ce Brainstorm très sympathique. Petite comparaison à présent entre notre voyageur Generation Brainstorm, donc sorti en 2014. Et donc notre petit Titans Return Brainstorm. Voilà. Et donc pour le coup, je préfère quand même très très largement le moule du Generation, que je trouve quand même beaucoup plus fidèle au jouet géant. En de nombreux points. Et pour terminer, petite photo de famille de nos quatre Headmasters réunis. Voilà, donc après avoir passé en revue plus que largement notre ami Brainstorm sous tous ses angles dans son mode alternatif, nous allons pouvoir dès à présent passer à l'étape transformation,
donc qui est bien évidemment similaire à celle de Blur. Donc pour commencer, nous allons tout de suite voilà, déclipser ce qui va former les bras. Ensuite, nous déclipsons l'arme. Nous venons basculer tout de suite cette pièce-là comme ceci. Nous venons séparer ces deux panneaux-là. On vient déployer complètement ce qui va former les jambes. Nous replions le petit aileron à l'intérieur. On rabat ce qui va former le pied. Voilà, et nous avons donc les jambes de Brainstorm de former. Alors ensuite, on vient soulever donc le cockpit, on vient rentrer le haut du fauteuil, nous rabattons à nouveau ce dernier, on vient faire un demi-tour complet des épaules, on rabat un peu plus le cockpit vers l'arrière, et plus qu'à remonter ces pièces-là, voilà, de façon à fixer et placer les bras dans l'alignement. Alors, tac, ensuite, donc vous pouvez incliner légèrement les ailes vers l'arrière. Vous repliez ces pièces-là de façon à laisser apparaître les mimines. Et voici notre ami Brainstorm quasiment transformé. Plus qu'à lui ajouter le cucu, la tétette. Que voici, que voilà. Et voilà notre ami Brainstorm, Hankey. Et là, la figurine est juste superbe. Alors, j'adore le boulot, j'adore les couleurs choisies par Takara. On retrouve tout à fait voilà, le Brainstorm au look G1. Donc, absolument superbe. Bon, l'arme, par contre, n'est pas top. Hein. C'est la même arme que pour Chrome Dome et que pour Blur. Donc bon, pas de réelle surprise à ce niveau-là. Mais voilà, hein, donc notre petit père Brainstorm, complètement transformé. Et je trouve qu'il a vraiment une chouette allure. Sympatoche comme tout. Donc on a la possibilité également, donc comme pour Blur, de décrocher cette partie-là et de pouvoir la fixer donc comme bouclier. Voilà, sur l'avant-bras. Mis à part que là, donc il a en plus deux canons qui viennent s'ajouter. Voilà, donc on a ce petit plaisir qu'il est possible de faire. Moi personnellement, donc je préfère la configuration façon G1, qui est beaucoup plus pratique et surtout plus esthétique. Voilà, donc concernant les articulations, donc nous avons la tête avec une rotation à 360 comme quasiment tous les Titans Return ou Legends. Nous avons également donc les bras avec rotation à 360, rotation également complète des avant-bras. Nous avons une articulation au niveau du coude. Nous avons la main donc que l'on peut voilà faire pivoter comme ceci. Hop, le bassin voilà est pourvu lui aussi d'une rotation à 360. Nous avons le grand écart à l'avant-dame, pas de souci. Dans ce sens-là, check. Une articulation au niveau du genou. Voilà. Une rotation également complète du haut de la cuisse. Donc voilà, en termes d'articulation, ben, voilà, pour un Deluxe, on a encore quelque chose de plus que satisfaisant. Donc voilà, je groumphoie, je plussoie, j'adore, voilà. Autant le véhicule, le mode alternatif me laisse un petit peu sur ma faim parce que bon, je le trouve quand même malgré tout un peu trop ressemblant à Blur. Par contre, voilà, dans sa forme robot, là, on a quand même quelque chose de vraiment extra. Et puis donc, comme je vous le disais au début de la revue, donc il est possible de pouvoir fixer son arme, hop, voilà, comme ceci. Chose qu'Hasbro ne propose pas dans son packaging. Hein. Voilà, ces petits véhicules-là sont vendus séparément. Et Takara, eux, quant à eux, bah, nous le fournissent dans leur boîte. Donc là encore, un sans faute à ce niveau-là.
Donc vraiment une super petite figurine. Petit comparatif à présent entre nos deux moules Brainstorm et Blur. Petit comparatif d'échelle entre le Voyager Generation de 2014 et la version Titans Return, ou du moins la version Legends. Alors voilà, ce que je disais, c'est que moi ce que j'apprécie, c'est qu'on retrouvait ici, vous voyez, sur le Brainstorm Generation, voilà les guns qui avaient la possibilité de se pluguer à l'avant, comme pour le jouet G1, chose qu'il est impossible de faire avec le Titans Return, puisque le cockpit étant orienté vers le bas, voilà, les armes sont également du coup orientées vers le bas. Donc j'aurais bien aimé avoir cette possibilité, pouvoir les déclipser déjà pour faire deux guns séparés, et aussi pour pouvoir les pluguer, pourquoi pas, sur les côtés, là, pour avoir quelque chose quand même d'un peu plus fidèle à la fois au jouet et au personnage du cartoon. Et petite photo de famille de nos quatre compères Autobots and Masters, voilà, réunis pour le meilleur et pour le pire, pour friter surtout du Decepticon. Yeah. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers consacrée à l'excellent Transformers Legend LG39 Brainstorm et son Endmaster Kana, voilà, que je ne peux que vous conseiller si vous ne possédez pas encore de Brainstorm à ce jour, voilà, dans la gamme Generation, Chug ou Titans Return, voilà, c'est vraiment une version à posséder. Alors la version Hasbro ou Takara, c'est à vous de voir, voilà, c'est en fonction des goûts. Moi j'ai recherché le côté chaud à curette, et puis aussi voilà la petite touche, la petite finition propre à Takara, et puis bon, sachant qu'il y avait un petit véhicule bonus en plus, voilà pourquoi hésiter. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Voilà, ce sera certainement pour du fourre partie. On verra un petit peu. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros câlins et à très bientôt. Allez, bisous les amis, bye bye, tchuss. Non mais sincèrement, Brainstorm, t'es quand même l'un des inventeurs les plus créatifs et les plus prolifiques des Autobots. Alors, tu peux me dire pourquoi tu nous as chié cette merde-là? C'est quoi cette chose-là, ce truc-là? C'est toi qui as fait ça? Ah, mais c'est la loose! Hey, man. Quoi? Fuck. Oh!